Bonjour à toi, cher spectateur, les garçons sauvages de Bertrand Mandico. C'est un film qui m'a tout de suite intrigué dès que j'ai vu la bande-annonce. Et au-delà de cela, ça fait un petit moment que les youtubeurs spécialisés dans le cinéma de genre n'arrêtent pas d'en parler de ce film. Tout simplement parce que c'est le entre guillemets troisième métrage de Bertrand Mandico après deux moyens métrages. Et au-delà de ça, c'est un film de genre qui s'inscrit dans une veine très autoriste du cinéma de genre. Et c'est une veine qui n'est pas très explorée en tout cas par la plupart des critiques ciné parce que c'est une veine qui est très difficile d'accès, mais que si on s'y intéresse, c'est une veine vraiment fascinante. Le résumé pour faire simple, si c'était possible, une bande de jeunes garçons semble vouée à répandre le mal au sein de leur entourage. Cela atteint la limite lorsqu'ils tuent malencontreusement leur professeur de français au cœur d'un après-midi torride. Leurs parents vont alors les confier à un homme qui remet les jeunes gens comme eux sur le droit chemin, le capitaine. Et vous vous en doutez bien quand je dis que c'est une veine fascinante, je veux bien évidemment dire que Les Garçons sauvages est un film fascinant. Pour autant, c'est un film qui va être monstrueux et compliqué à décortiquer, et au-delà de ça, à conquérir. Parce que franchement, il faut arriver à conquérir le film pour le cerner, et au-delà de cela, réussir à le comprendre. Le film de Bertrand Mandico est d'une grande beauté, d'une puissance graphique absolument phénoménale. De tout son long, on est captivé par cette histoire d'une puissance émotionnelle folle, mais qui est extrêmement difficile d'accès. C'est un film qui, à mon avis, va diviser parce que ce genre de long métrage, c'est le genre de film duquel on ressort avec beaucoup de questions, très peu de réponses, mais des choses qui nous trottent dans la tête et qui du coup, nous demandent une réflexion totale sur quelle est l'ambition de cette œuvre. Et au-delà de cela, quel est le propos final de cette œuvre Mais j'aime beaucoup ce genre de film, parce que ça s'inscrit dans une veine du, cin du cinéma de genre qui n'est donc pas très explorée finalement. On restreint souvent le cinéma de genre, comme si celui-ci ne se rangeait que dans la catégorie horreur ou épouvante, et que finalement il ne pouvait pas explorer d'autres possibilités. Et bien c'est sans compter sur les petits films d'auteurs de genre, un terrain complexe à arborer, mais que des cinéastes comme Julia Ducourneau ont remis au goût du jour. Bertrand Mandico a choisi de planter sa tente dans ce genre depuis maintenant une bonne dizaine d'années et cela atteint aujourd'hui son apothéose par son premier long métrage, la réalisation d'un film fantasmagorique qui en troublera plus d'un mais surtout qui en charmera beaucoup. En termes d'écriture, Bertrand Mandico, qui est le seul scénariste, a composé une histoire d'une profondeur émotionnelle et dramatique absolument folle. C'est un film qui est complexe à analyser, mais genre vraiment complexe. C'est un film qui brasse d'énormes sujets, mais alors des sujets qui sont à la fois d'actualité, mais également qui font partie de l'histoire de l'humanité. C'est un film qui brasse le féminisme, c'est un film qui brasse sur la base de la violence, c'est un film qui parle des affres de la jeunesse, du passage à l'adolescence, de la découverte de la sexualité, de la compréhension de cette sexualité. C'est un film qui évoque tous ces sujets à la fois de manière brève et en même temps tellement profonde, c'est un film qui, qui parle de tout et n'importe quoi. Et du coup, c'est un espèce de centre nerveux autour duquel gravite une espèce de fascination, où plus le film avance, plus on se pose de questions, plus ces questions attisent le récit, et ainsi cette, on va dire, complète ambition qui se ressent dans l'écriture, elle captive le spectateur. Et elle attise du coup sa curiosité, elle donne envie au spectateur de se plonger à fond dans le récit, de comprendre ses personnages, de savoir d'où ils viennent, pourquoi ils sont ainsi, pourquoi à un moment on nous parle de bouts de seins, pourquoi à un autre moment on, on s'amuse à nous montrer des pénis, pourquoi on est autant braqué sur la sexualité. De par cela, le film est vraiment intrigant et montre que même si, on va dire, la dramaturgie de base est très linéaire, il y a autre chose qui se cache derrière. De par une structure assez simple et linéaire dans sa base dramatique, l'auteur français propose une forme de voyage onirique et perturbant au sein d'un monde à la fois réaliste et fantasmé. Un monde troublant donc, comme évoqué, mais également un monde qui fait étrangement rêver et inspire à la réflexion. De par cette base, le cinéaste pourra certainement perdre l'attention de nombreux spectateurs, le contexte, le geste et l'ambiance du scénario étant très noir, mais également très loufoque dans sa composition, n'aidant pas à accepter chaque élément pourtant profond de cette écriture, mais bon, cela est le propre d'une œuvre ambitieuse de ne pas réussir à conquérir tout le monde. En termes de mise en scène, le film de Mandico est monstrueux. Mais genre monstrueux. Parce que déjà, il y a un cachet visuel qui est indéniable, mais au-delà de cela, on sent que Mandico il a des références hyper solides et qui s'y tient tout le long de son film. Il y en a qui sont plus subtils que d'autres. Euh, dans les moins subtils, on peut citer clairement Orange Mécanique, qui est constamment présent à l'écran. Mais, genre, vraiment, on ne voit que ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ce film-là. On sent qu'il est très influencé par le cinéma de Kubrick et que, du coup, il le montre clairement. Il n'a pas peur de s'en cacher. Il le présente face à la caméra et il l'annonce ainsi. Évidemment, il y a des références au Giallo, mais de tous les côtés, de par des choix de cadre, de montage, et notamment une séquence à laquelle je pense où on a un regard, le regard du capitaine qui est sur le haut du cadre et sur le bas, on a des panneaux autour de l'équipage des jeunes garçons qui sont sur le bateau. Il y a plein d'idées comme ça. Et du coup, on sent que ce mec-là, il a une cinéphilie de dingue. Mandico, Mandico, il doit avoir une cinéphilie de fou pour aligner autant les idées de cadre et les ambitions qui sont complètes. C'est-à-dire, avec le choix de ce format, cette espèce de format qui ressemble également au format de Winter Brothers, dont je parlais la semaine dernière, ce, ce choix de format est très particulier. Et rien que de par cela, on sent que le film est démentiel et a une ambition folle. Et du coup, Mandico, il s'éclate avec ça. Il développe des, des idées de cadre. Et des travails de mise en scène qui font ressortir la base du cinéma fantastique, c'est-à-dire que le fantastique n'est pas que généré par la base de l'histoire, c'est aussi généré parce qu'il se dégage de chaque élément du cadre. Et là c'est clairement présent. Mandico en fait des caisses donc, s'amusant avec le style et les références ouvertes, mais surtout avec donc l'esthétisme profond de son métrage. Un peu à l'image de Winter Brothers dernièrement, mais ici on a plus la sensation que cette esthétique est fabriquée, contrairement à celle du film de Palmason. Cela donne un cachet indéniable à l'œuvre du cinéaste français, même si on pourra très facilement remettre en cause l'usage du noir et blanc et de la couleur. Finalement, assez du de sens lorsque l'on voit l'impact des couleurs au sein du cadre du cinéaste français. Alors, au niveau du casting, je tiens à prévenir, c'est un peu du spoil. Donc, si vous n'avez pas vu le film, je vous déconseille d'écouter cette partie-là. Passez directement à la toute fin, parce que cette partie-là est très spoiler. Au niveau des acteurs secondaires, je trouve que Sam Louvik, qui était dernièrement en *Gaspard va au mariage*, est Très bon, genre vraiment excellent. Pareil pour Elina Lowenson, qui avait dans Laissez bronzer les cadavres, qui était extraordinaire, et là, qui livre une interprétation juste parfaite. Et après, il y a cinq actrices. Donc faites attention, c'est du spoil. Cinq actrices centrales de ce film, qui sont exceptionnelles. Bon, tant pis, c'est du spoil, mais les cinq actrices au centre de cette œuvre sont juste magnifiques. Vima Laponce en tête bien sûr, mais surtout Pauline Lorillard, juste impériale. Mais bon, au final, on retient également Swagnec, Warnier et Rouxel, puisqu'elles sont toutes excellentes au bout du compte. Et donc au bout du compte, Les Garçons Sauvages, je trouve c'est un film tellement atypique, tellement fascinant, tellement intrigant, tellement... vraiment puissant, je trouve, puissant, dans la production audiovisuelle française actuelle, que rien que pour ça, en fait, il faut aller le voir parce que... Ça, cette espèce d'aura, cette élégance cinématographique, cette fascination qui fait qu'on en oublie les, les petits défauts qui se baladent, les manques de profondeur dans l'écriture, la maladresse d'une dramaturgie simple, les partis pris qui peuvent parfois être vus comme un petit peu trop posés ou un petit peu trop ambitieux. Au-delà de ça, se cache quelque chose de vraiment puissant, de vraiment évocateur. Et rien que pour ça, Les garçons sauvages de Bertrand Mandico, moi je vous le conseille parce que c'est un film qui, est, qui risque de vous marquer. Et qui au-delà de ça risque un petit peu de vous perturber, mais en même temps, vu l'aspect très sexuel du film, quand on commence son long métrage sur une séquence de boucacé sur une euh, professeure de français, je pense qu'on a atteint un certain stade qui rend le film intrigant. que <laughs> ça. A plus.